Bonjour les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien. Et oui, la Pat Patrouille est enfin de retour sur la chaîne, ça fait très très longtemps qu'on les avait pas vus. Et regardez ce que je vous propose dans les prochains jours. Voici quasiment toute la collection complète de la nouvelle série Paw Patrol Ultimate Rescue avec de nouveaux véhicules plus beaux les uns que les autres. Et surtout, vous l'avez peut-être vu derrière, un camion de pompiers géant de Marcus. Mais ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le camion de Chase Ultimate Rescue. Et vous allez voir que ce nouveau camion est un petit peu différent de tous les autres qu'on a l'habitude de voir dans la Pat Patrouille et des véhicules de Chase. À l'arrière de la boîte, on apprend que ce véhicule peut être connecté avec les mini véhicules Ultimate Rescue pour former des véhicules encore plus incroyables. Et toutes les fonctions, on les voit là, mais on va bien entendu les détailler dès qu'on aura déballé le véhicule. Ah oui, j'oubliais, ici, on a la liste des autres véhicules Ultimate Rescue de cette collection. Allez, maintenant il est temps d'ouvrir tout ça et de libérer Chase de son emballage. Et voici toute ma collection de véhicules de Chase de la Pat Patrouille. Et je peux vous dire qu'il y en a plutôt pas mal. Ça va du plus petit au plus grand. Il y a même un bateau. Et là, c'est le véhicule le plus grand. Ça fait déjà une très très belle collection. Mais celui qui vient maintenant, eh bien moi je trouve que c'est le plus beau. Première chose que vous remarquez peut-être tout de suite, c'est que là, eh bien ce nouveau véhicule de Chase n'a plus 4 roues, mais 6 roues. Et c'est d'ailleurs le seul qui a un véritable gyrophare sur le toit. Mais ce n'est pas tout, regardons-le de plus près. Bon déjà, il est bleu, la couleur préférée de Chase. Il porte toujours le numéro 2 de la Pat Patrouille. Son poste de pilotage est là. Dans l'ensemble, ce nouveau véhicule est vraiment très très beau et promet de super sauvetages pour Chase et pour ses amis, car comme vous l'avez vu, pour la première fois, il y a de la place à l'arrière pour emmener des membres de l'équipe. Là, sur le côté, vous remarquez deux petits clips. C'est ici qu'on va pouvoir assembler les mini véhicules Pat Patrouille pour en former des encore plus grands. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau sur ce véhicule? Ah oui, à l'avant, il y a un treuil, donc un crochet de sauvetage en cas de situation extrême. Et en plus, autre nouveauté, il y a une barrière de sécurité qui se déploie. Comme ça, Chase, quand il veut faire la circulation, il n'a plus besoin de sortir ses cônes. Mais il y a encore une autre fonction super cool, vous la verrez tout à l'heure. Pour l'instant, jetons un coup d'œil aux figurines, et là aussi j'en ai beaucoup. Ça commence par un tout grand que vous venez de voir juste derrière. Et voici toute l'équipe des Chase. Il y en a de toutes les sortes, un karatéka, un super-héros, un bébé et même un avec un bonnet qu'on a ouvert dans le calendrier de l'Avent l'autre jour. Un plongeur, enfin un explorateur, il y a vraiment toutes les sortes et je suis sûr qu'il m'en manque encore dans cette collection que je vous ai pas montré. Voici donc le tout nouveau. Il ressemble énormément au précédent avec toutefois quelques petites nouveautés. La figurine, on peut toujours l'articuler, tout comme la tête d'ailleurs. Petite nouveauté, c'est sur son sac à dos. Cette fois-ci, il y a une petite étoile de shérif dessus. Et pour la première fois, un gyrophare. Quant à son uniforme, il a été un peu modernisé avec deux traits jaunes sur le côté. Et voici un nouveau membre de la Pat Patrouille qui s'ajoute à ma collection de Chase. On a ici une véritable armée de Chase. Et maintenant, je crois qu'il est temps pour Chase de prendre possession de son véhicule et de le tester. Il l'inspecte avec soin, il est très content de ce nouveau véhicule. Marcus et Rocky viennent le rejoindre. Salut Chase, et dis donc, c'est quoi ce nouveau véhicule? Il est incroyable! Ouais, pas mal hein, les amis, il vient tout juste d'arriver, Ryder me l'a commandé. Je vous présente le tout nouveau camion Ultimate Rescue de la Pat Patrouille. Et comme vous le voyez, il est beaucoup plus grand, il a même 6 roues. Ça vous dirait de l'essayer avec moi? Mais Chase, faire un tour avec toi dans le camion, il n'y a pas assez de place. Ouais, sauf que ça, c'était avant. Voici le Ultimate Rescue. Il y a maintenant de la place pour emmener jusqu'à 2 copains en mission. Ça vous dirait de venir avec moi? Allez, venez me rejoindre. Montez derrière, les amis.
Hey, mais c'est vrai qu'il y a de la place. Trop cool, on va enfin pouvoir partir en mission avec toi. Ce Ultimate Rescue est vraiment génial. Moi aussi, je veux mon véhicule Ultimate Rescue. Pas de panique, les amis. Ryder m'a dit qu'il vous en a commandé un pour chaque. C'est vrai que les Ultimate Rescue sont trop cool. Et encore, vous n'avez rien vu. Regardez la fonction secrète de mon nouveau camion. J'appuie sur ce bouton. Et voilà ce qui se passe. Un poste de pilotage surélevé pour tout mieux voir d'en haut. Waouh, le poste de pilotage surélevé est vraiment trop cool. Il est dément ce camion Ultimate Rescue. Allez, on redescend sur Terre. Alors les amis, vous en pensez quoi? Trop bien, non? Oh ouais, trop chouette! Nous aussi, on a hâte d'avoir notre véhicule Ultimate Rescue. Vivement qu'on puisse l'essayer ensemble en mission. Et je crois d'ailleurs que c'est maintenant qu'un Ryder nous appelle. Allez, on embarque et on y retourne. Aucune mission n'est trop dure, car les Ultimate Rescue, ils assurent. Oui, Chase a raison. Les nouveaux véhicules Ultimate Rescue de la Pat'Patrouille sont vraiment trop cool. Et j'ai franchement hâte de vous présenter les autres véhicules qui font partie de cette collection, notamment le grand camion de pompiers ultime de Marcus. Vous en avez pensé quoi? Vous aimez? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus. Et nous, bien sûr, on se retrouve très vite, dès demain, pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, bien sûr, et du jouet du jour. A demain, les gars. Bye bye. Salut mon ami, pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton rouge qui se trouve sur ma page principale. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche que voici. Et ensuite de choisir toutes les notifications et d'enregistrer, tu seras ainsi automatiquement informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos.